Bonjour à tous, on corrige aujourd'hui le brevet des collèges. C'est le sujet Asie du 18 juin 2024. On est sur un exercice intéressant sur Pythagore et la trigonométrie, donc des angles. Trois élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure, puis la découpent. Donc on a ici trois fois la même figure. On a une représentation plus précise à droite. Ils obtiennent ainsi à eux trois trois pièces identiques comme. Les trois que vous voyez là, le schéma ci-dessous représente la pièce construite. Alors ci-dessous, c'est que je l'ai mis à droite, hein. c'est celui-ci, représente la pièce construite par chaque élève avec les indications suivantes. Donc ça c'est important, on va pouvoir s'en servir dans l'exercice. Donc les droites AB et CG sont perpendiculaires. AB, CG, donc cet angle droit il est matérialisé, c'est bon. Donc on ne l'oubliera pas, il est déjà représenté. A, C et B sont alignés, donc ça c'est très bien. L'arc de cercle qui relie le point A au point B. Donc cet arc ici hein, a pour centre le point G. Donc G, c'est le centre d'un cercle, d'accord, dont l'arc AB est représenté. AC égale CB. Donc vu que AC et B sont alignés, ça veut dire que C est au milieu du segment AB. La longueur CG est donnée 10 cm, la longueur BG est donnée 20 cm. Donc on connaît ici BC et on connaît ici... BG. Donc vous voyez qu'on a un triangle rectangle, on a deux côtés. Donc là, il y a un terme de Pythagore qui va arriver très vite. Donc première question, justement on y est. Démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm. Première question, démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm. Alors, ici, on a la longueur, donc ici, CG qu'on connaît, c'est 10. On connaît euh, GB, c'est donné, égal à 20. On a un triangle ici rectangle, donc si je veux baisser... Eh bien, il faut que j'utilise le terme de Pythagore dans le triangle BCG, rectangle en C. Donc, on applique le théorème de Pythagore. On écrit tout, hein, sans se tromper d'orthographe. p y -t h Donc, on l'applique dans le triangle donc c j'ai B rectangle on précise toujours où oui, il est rectangle très important en C on a donc alors moi je veux BC carré donc je vais commencer par BC carré plus le carré donc de CG CG carré ça va être égal à l'hypoténuse au carré BG carré donc BC carré c'est ce que je cherche hein. va être égal à BG carré moins CG carré j'enlève CG carré des deux côtés donc, on calcule rapidement. BG, carré, ça fait 20 au carré moins CG, 10 au carré. Donc, on a BC carré qui vaut 400 moins 100. Donc, BC carré qui vaut 300. On prend la racine carrée. BC est un nombre positif. Donc, BC égale racine de 300. Ça, c'est la valeur exacte. On prend la calculatrice Il donne donc ici racine de 300. Voilà. Ça fait 10 racines de 3, mais ça fait surtout à peu près 17,32. Donc, c'est vrai que c'est 17,3 cm environ. Donc pour les calculs suivants, on va regarder quand même racine de 300, parce que c'est à l'heure exacte. Hein. C'est à peu près 17,3. Donc, ça, c'est BC. Maintenant, on vous demande l'aire du triangle BAG. Alors, BAG, je vais faire une représentation. Hein. Donc, vous avez ici A... Au milieu on trouve C et ici on trouve B. Vous avez cette figure qui est comme ceci, d'accord Et avec un angle droit. Alors première chose déjà, la longueur AB, AB est égale à 2 fois BC, parce que c'est au milieu de AB, donc 2 fois racine de 300. On va garder des valeurs exactes, ça restera plus précis. Donc maintenant, ici on a CG, CG la droite est perpendiculaire à la droite AB. C appartient au côté donc AB. Ça veut dire qu'ici, hein, eh bien, ça c'est la hauteur correspondant à la base AB. Donc, on peut écrire la hauteur correspondant à la base. Donc AB, et en fait, alors on peut apprendre un seulement, et de longueur, on va plutôt mettre une longueur, et de longueur CG. Donc si on met l'air du triangle BAG, ça sera la base AB, fois la hauteur correspondante qui est de longueur CG, divisé par 2. Alors AB, on a dit, c'est 2 racines de 300, fois CG qui vaut 10. Divisé par 2, on peut voyer simplifier par 2. Il va rester 10 fois racine de 300. On prend la calculatrice. On a déjà racine de 300. Je fais x 10. J'obtiens 173,2. Donc à peu près 173,2. On doit arrondir à l'unité, donc je vais mettre à peu près 173. C'est important de bien lire les questions, surtout quand on vous demande d'arrondir. Et on n'oublie pas qu'on est en train de calculer bien sûr une aire. Donc ça sera des centimètres carrés, parce qu'on a multiplié des centimètres par des centimètres. D'ailleurs, une petite remarque, pour ceux qui n'auront pas pris racine de 300 et qui auront pris 17,3, la réponse sera acceptée, puisque précédemment on a dit que ça mesure environ 17 fois. Donc l'air de BAG, si vous avez fait 17,3 fois... 10, vous voyez bien qu'on trouve aussi 173, donc hein, les deux résultats seront acceptés. Montrez que l'angle CGB mesure exactement 60. Alors il est où cet angle CGB CGB, il est ici. Donc regardez, il faut tout de suite le localiser. Donc ça, c'est l'angle qui m'intéresse. Alors pourquoi cet angle ferait 60, exactement 60 On a les longueurs des trois côtés, donc là on va faire de la trigonométrie. Trigonométrie au collège, ça se fait dans les triangles rectangles, et ça tombe bien, parce que... Donc CGB est rectangle en C, on l'a déjà dit, mais on va le réutiliser encore. On a 10, on a ici 20. On va prendre racine de 300. Certains ont pris 17,3, je pense que ça passera encore. Alors, les formules, rappelez-vous, SOCATOA. On veut donc cet angle-là. Là, vous avez vraiment le choix. Tout est possible. Si vous faites SO, donc SOH, vous allez utiliser le sinus. Le sinus de... CGB, c'est donc côté opposé l'eau sur l'hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Donc opposé, c'est racine de 300 sur l'hypoténuse qui fait 20. On prend la machine. Je vais faire en direct avec vous. Donc ici, je supprime ce qui a déjà été fait. Je calcule donc racine de 300 donc, et je divise par 20. Voilà. Maintenant, je vais sur ta touche. Donc ça, c'est sinus, donc arc sinus. Arc sinus de réponse précédente. Et j'obtiens, vous voyez, 60. Donc ici, on met donc CGB égale arc sinus de racine 300 sur 20 égale à 60 degrés. Ça, c'est pour ceux qui ont fait le saut pour faire du sinus, si vous prenez le k TOA, donc après il y a K, C-A-H. J'ai déjà fait, hein, pour ceux qui vont prendre le K-C-A-H, c'est donc le cosinus qui vaut l'adjacent sur l'hypoténuse, donc 10 sur 20, qui vaut un demi, je prends calculatrice, arc-cosinus demi, ça fait 60, je vous laisse vérifier. Pour le dernier, ceux qui ont pris le soka k toa le TOA, c'est tangente, c'est qui sera l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire ici, vous voyez, quand j'ai l'angle ici, l'opposé c'est racine de 300, l'adjacent c'est l'autre, pas l'hypoténuse, c'est l'autre, c'est 10, donc racine de 300 sur 10. Encore hein Je vais peut-être plus vous le dire, quand je prends cet angle là, en face j'ai l'opposé, l'hypoténuse est ici, donc le troisième s'appelle l'adjacent. Donc ici, vous voyez, je prends arc tangente de racine de 300 sur 10 et ça donne bien 60 degrés. Pour ceux qui ne me croient pas, voilà l'arc cosinus de 0,5 qui fait bien 60. Et pour l'arc tangente, donc c'est racine, alors j'ai un quotient racine 300 divisé par 10 et elle me répondre encore une fois 60, c'est parfait. On doit dire la mesure de l'angle donc AGB, alors nous on a calculé ici CGB alors il y a plusieurs façons de faire ça pour aller chercher ici l'angle déjà CBG vous pouvez remarquer que le triangle AGB il est isocèle, ça c'est pas évident parce qu'on a peut-être oublié quelque chose c'est ce que je viens de surligner en bleu A. Ah. GB est isocèle en g car effectivement g a égale gB en effet je rappelle que eh bien A et B sont sur un cercle de centre g sur un même cercle puisqu'on a un arc de cercle donc vous avez un triangle isocèle. D'accord en G. Donc ça veut dire que l'angle euh, donc je vais commencer par G. GAC il est égal à l'angle GBC. Je vais vous montrer ici sur la figure on a donc celui-ci qui est égal à celui-ci. Or GBC on peut l'avoir facilement. On est dans le triangle BCG il y a les trois angles qui font la somme fait donc 180. Et vous avez donc, il faudra enlever l'angle droit. Il faudra enlever BGC ou CGB. Ça veut dire qu'on a 180 moins 90 moins les 60 qu'on vient de trouver. Ce qui fait 30 degrés. Donc les deux ici font 30 degrés. Ça veut dire que dans donc le triangle AGB, et eh bien AGB vaut donc 180 moins eh bien les deux BAG euh, GAC et GBC c'est les deux que je viens de calculer moins 30 moins 30 ça fait 180 moins 60 ça fait 120 degrés c'est une façon de faire vous voyez je suis passé par donc les deux autres angles du triangle isocèle et donc grâce à eux 30 30 60 il me reste en fait 120 pour le dernier on aurait pu aussi utiliser une bisectrice effectivement la droite Ici si CG, puisque c'est un triangle isocèle, et eh bien CG est hauteur, médiatrice, médiane, et quatrième important, bisectrice du triangle. Donc AGB. D'accord? Et comme c'est une bisectrice, elle coupe donc les angles en deux exactement. Ça veut dire que nous, on a calculé qu'ici, on avait, pardon, je me rappelle, 60. Et donc, l'autre côté fait aussi 60. Donc, ça veut dire que vous aurez 120. Ça veut dire que 1GB est donc égal à 2 fois CGB. Égal, donc, 2 fois 30, 2 fois 60, égale 120 degrés. Quatrième question. Les trois F pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs trois pièces. Expliquez pourquoi ils ont raison. Alors, ils ont des secteurs angulaires. On a vu qu'à chaque fois, on avait 120. Donc il y a trois secteurs angulaires de 120 qui vont s'ajouter. Effectivement, 3 fois 120, ça fait bien 160 degrés. Donc c'est parfait. Ils ont... On pourrait donc écrire. Ils ont chacun un secteur angulaire de 120 degrés d'un cercle de rayon, donc 20 cm. Donc comme 3 fois 120, c'est 360. Ils peuvent former un disque complet de rayon 20 cm. En déduire l'air de la pièce obtenue par chacun des élèves, on donnera une valeur arrondie à l'unité, donc on va d'abord calculer l'air d'un hein, disque, puisque à 3, il forme un disque de rayon 20 cm. Donc, r d'un disque, c'est pi r2, pi fois 20 au carré. D'accord Donc ça fait 400 pi, donc calculatrice, 400 multiplié par pi, ce qui me donne ici, donc, 1256,64 à peu près. On divise par 3 puisqu'ils ont chacun de la même pièce. Et donc il va vous rester ici 418,88. Donc on arrondit à l'unité 419 cm. Donc chacun a 400 pi sur 3, soit à peu près 419 cm. On a terminé cet exercice assez intéressant.